sommes ici à la plage de Velette, Velette-sur-Mer, qui est le dernier poste de secours qui vient d'être ouvert dans une convention avec les sapeurs-pompiers. Il y en a 23 sur la Seine-Maritime, regroupant 172 sauveteurs, dont 110 pompiers, qu'ils soient volontaires ou qu'ils soient professionnels. Quelles seront les missions des sapeurs-pompiers à Velette-sur-Mer? Eh bien, évidemment, comme dans toutes les zones de baignade, c'est-à-dire le sauvetage aquatique, bien évidemment, mais aussi la prise en charge des victimes sur leur lieu de, vacances. Et le poste de secours est important parce que en saison, nous avons de nombreux baigneurs qui utilisent cet espace, et la surveillance, on ne sait jamais, quoi. Il peut se passer des tas de petits problèmes, soit dans la natation ou alors dans la bobologie. Cette année, on a pris les sapeurs-pompiers. C'est la première année. Avant, on avait la SNSM qui faisait la même action. Je pense que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison.